C'est la nouveauté à ne pas rater chez Delcourt cette semaine. C'est la très belle sortie de la semaine chez Delcourt Comics. Ça s'appelle Télépathe et les auteurs, vous les connaissez, puisqu'il s'agit au scénario de Joseph Michael Straczynski, qui est tout simplement un des meilleurs scénaristes de ces 20 dernières années dans les comics, Spider-Man et le reste, dessiné par Steve Epting, un dessinateur qui a également beaucoup travaillé chez Marvel, deux auteurs absolument incroyables dans un nouveau titre qui s'appelle Télépathe. C'est un one-shot, c'est un unitaire, c'est une histoire complète. Et c'est la très belle curiosité et c'est le très beau livre en grand format à découvrir d'urgence. Alors, Straczynski, vous le connaissez, il a travaillé sur Spider-Man, sur Thor avec Olivier Coipel, sur Rising Star, Midnight Nation et sur la série Résistance publiée chez Panini. Comics, c'est un auteur absolument incroyable et ça fait partie des très grands scénaristes. Il a travaillé sur des séries comme Supreme Power et ça fait partie de ces auteurs qu'on adore parce qu'il a une qualité d'écriture, une exigence et surtout il aime la bande dessinée, il aime les super-héros. C'est un scénariste qu'on a connu à travers la télévision, notamment la série Babylon 5 et eh bien les comics, ça a toujours été sa récréation et il a apporté son talent et son lectorat aussi parce que beaucoup de fans qui le suivaient à la télévision eh bien, l'ont suivi dans ses aventures dans les comics. Le dessinateur c'est Steve Epting, on le connaît évidemment avec Captain America, Winter Soldier et la série Velvet publiée également par Delcourt, scénario de Ed Brubaker. Alors, quand j'ai vu arriver Télépathe, je me suis dit mais la couverture, l'auteur, ça me fait penser un petit peu à Résistance, sorti chez Panini. Surtout que Résistance, il y a eu ce premier tome qui vaut 10 balles à découvrir si vous ne l'avez pas lu. Il y a eu un second tome l'année dernière. Non, ça c'est le premier tome. Premier tome à 10 balles. Deuxième tome dessiné par C.P. Smith. Et même un troisième tome qui est pour le moment inédit. Alors je ne sais pas si le succès est au rendez-vous. Moi je sais que ça avait bien marché au départ sur Original Comics. Il y a un troisième tome qui est sorti aux États-Unis dessiné par Mike Choi. Pour le moment, il n'est pas sous le radar. Donc je ne sais pas du tout si c'est prévu. Je ne sais pas si vous avez des infos, donnez-les-moi. Donc, comme je suis de très loin à l'actualité VO depuis quelques années, j'avais vu qu'il y avait une nouvelle série chez le même éditeur, un éditeur qui s'appelle AWA, Artist, Writer and Artisan. Voilà, c'est ça. Un studio créé par des anciennes Marvel et qui est là pour faire venir des copains, des auteurs, pour avoir un champ de liberté et des nouvelles séries. Il y a Frank Cho qui est venu, et il y a évidemment Mike Deodato Jr. qui a fait plein de séries, Straczynski qui a fait plein d'histoires. Donc ça, je pensais que c'était une sorte de suite et que ça se passait dans le même univers. A priori, non, mais je ne l'ai pas encore lu, alors peut-être que vous allez également me renseigner, me rencarder. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire de télépathe. Alors, quand je lis le pitch, ça nous dit que il y a des perturbations électromagnétiques et de façon spontanée, des milliers de personnes développent un pouvoir de télépathie. Et là, on se dit, il nous a pas déjà fait le coup de gens qui, du jour au lendemain, deviennent des super-héros dans The Resistance, Straczynski. Il nous a pas déjà fait le coup dans Midnight, dans Rising Star. Voilà, c'est une thématique qu'il aime bien, le côté génération spontanée et surtout le côté page blanche. C'est ça qu'il aime, Straczynski. C'est le côté fresh start, on part et on crée un monde et on crée un univers. En tout cas, ça fait très envie pour plusieurs raisons. Straczynski, c'est toujours bien. Le dessinateur, évidemment, Steve Epting, c'est du petit lait. Delcourt qui ne publie que des récits majeurs et des récits à lire et à conserver. Et également AWA, parce que donc, quand on lit tout ce qu'a fait AWA Studio, que ce soit chez Panini et maintenant chez Delcourt, eh ben, il y a beaucoup de bonnes histoires. Et ça, c'est hyper agréable. Donc c'est la promesse d'une bonne lecture. J'ai hâte de le découvrir. Évidemment, je ne l'ai pas encore lu, comme vous pouvez l'imaginer. Ça sort cette semaine, je viens de le recevoir. Et c'est un très beau livre qui, je pense, complétera votre collection si vous êtes un fan, comme moi, inconditionnel, de Joseph Michael Straczynski, un auteur essentiel à ne rater sous aucun prétexte. C'est la belle nouveauté chez Delcourt de cette semaine. Eh bien, jetez-y un coup d'œil à l'occasion si vous passez en librairie. Et sinon, je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. Salut !